Hey, salut toi, c'est Papa Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine parce que cette semaine-là, c'est la dernière semaine de l'été. Ben, tu pensais que c'était déjà fini, ça fait longtemps, déjà, ça fait un mois que c'est fini l'été. Non, non, ça finit cette semaine, le 21, on commence l'automne. Donc, cette semaine, on chevauche l'été puis l'automne. Tu sais, hey, monsieur, on l'a vu déjà, hein? Ça me semble que ça a été vite, l'automne est arrivé. Patapouf, on est en plein dedans, écoute. J'ai quand même pris le temps cette semaine pour toi d'identifier les vrais meilleurs rabais des épiceries qu'on aime tous, IGA, Maxi, Metro, Provigo et Super C. Donc, voyons tout de suite, là, du 17 au 23 octobre, qu'est-ce qu'on retrouve dans nos super épiceries cette semaine? Écoute, commençons tout de suite avec IGA. Chez IGA, écoute, cette semaine, le poulet entier. Le poulet dodu entier. Par contre, il marque ici là, moins de 2 kilos. Donc, c'est les petits poulets, malheureusement, mais quand même, à 1,79 la livre, ou si tu peux faire 3,95 le kilo. Ça, c'est le prix, je te dirais. Quand tu tombes en spécial, 3,90, 3,95 le kilo, là, c'est pas mal le bon prix. Hein? C'est plus bas que ça serait exceptionnel. Puis, en haut de ça, ben, c'est pas un spécial. Donc, écoute, c'est super. Fait que, vu qu'ils sont tout petits, ben, je te conseille, t'as vu que tu vas ouvrir ton four quand même pendant une bonne heure et demie, 1 h 3 quarts, de faire au moins 2 poulets, peut-être en faire même 4, pour que tu en restes après ça toute la semaine, parce que c'est vraiment une protéine qui est facile, un coup qu'elle est cuite, là, le poulet, on peut faire tellement de choses, salade, sandwich, écoute, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Donc vraiment, je te conseille fortement. Aussi, c'est écoute, le retour du rôti de palette cette semaine. Écoute, à 3,77 l'allée, ou si tu préfères, 8,31 le kilo. Il est à 2 places cette semaine. Encore moins cher que ça, là, vraiment, parce que 3,77, c'est vraiment le top prix. Hein? On pourra, depuis les derniers mois, là, on a vu à 3,99, 3,88, 3,77. Je ne l'ai pas vu en bas de 3,77. Donc, 3,77 là, pour cette qualité de viande-là, surtout dans les temps comme aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Donc, c'est chez IGA que ça se passe. Aussi, chez IGA, écoute, les fruits et les légumes sont encore en spécial pour quelques semaines, surtout les légumes racines. Mais là, les tomates, des belles tomates de grappe, toi, à 79 cents la livre, si tu préfères, 1,74 le kilo, là, c'est vraiment pas cher, parce qu'à 99 cents, là, on est dans le bon prix, hein, c'est super, mais là, à 79 cents, là, ça vient battre là, pas mal tous les prix qu'on a vus jusqu'à présent cet été. Donc, ça vaut vraiment la peine d'en profiter parce que ça, c'est super bon, les tomates. Surtout pour les hommes, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose dans la tomate pour la prostate qui fait qu'on faudrait en manger de façon régulière quand tu es un homme. C'est ça qui est ça pour chez IGA cette semaine. Continuons tout de suite avec Maxi. Chez Maxi, écoute, Maxi, là, il y a un spécial, là, le Maxi Merci qu'ils appellent, là. Donc, ils veulent nous remercier. Pas de problème, on est prêt à en prendre. Mais juste 2 jours seulement, là, du 18 au 19, donc vendredi, samedi seulement, OK, mais 4 produits assez super, dont 3, là, vraiment fantastiques. Le filet de porc. Le filet de porc, on sait bien que quand il était normalement spécial, 6,59 le kilo, c'était un très bon spécial, surtout pour une protéine comme ça. Mais là, ça te pendant 2 jours, à 4,41 le kilo, où tu peux faire 2 piastres la livre pour du vrai filet de porc. Hey, ça, c'est vraiment pas cher. Là. Ça te fait des soupers, là, vraiment pas cher. Puis avec des protéines, vraiment super bon. Fait que, écoute, c'est juste 2 jours. Donc, profite-en. Aussi, pendant ces 2 jours-là, il y a des patates. 10 livres de patates, oui, pour 1 piastre. Celle-là. On va te gager qu'on va y aller, puis il n'y aura plus, hein? Et puis de patates. En tout cas, c'est vendredi, moi, c'est sûr, il fallait chercher des patates, ça, c'est certain, puis du filet de porc. Puis il y a aussi du jus Oasis. Moi, je suis plein de ce qu'il y a eu des beaux spéciaux dernièrement. 88 cents, c'était des beaux spéciaux. Mais là, à 50 cents, là, le 960 ml, c'est quasiment 1 litre, ça. Hey, c'est vraiment pas cher. Puis c'est des bons jus, quand même, on peut s'en servir pour faire plein de recettes. On peut s'en servir, bien sûr, pour boire comme ça, hein? C'est évident. C'est un jus de fruits, là, c'est sûr. Mais moi, je m'en sers pour faire des sauces. Fait que, écoute, c'est vraiment pas cher. Ça vaut quand même, c'est quand il est pas en spécial, à 1,79, à 1,29, 1,49, ça se tient pas mal dans ces prix-là, sur mon prix régulier. Donc là, à 50 sous, là, on comprend pourquoi ils le font juste 2 jours. J'ai hâte de voir la variété qu'on va avoir. Probablement qu'on va avoir juste du jus de pomme, en tout cas. C'est à vérifier. Puis aussi, ben, il y a des chips, là, des Pringles, pas cher non plus, mais ça, c'est vraiment pas important. Ça, c'est une cochonnerie, c'est vraiment une petite cochonnerie. À ce prix-là,
Peut-être. On verra. En tout cas, écoute, c'est ça qui est ça pour les 2 jours là, de rabais chez Maxi. Aussi, ce qu'on trouve pour le reste de la semaine chez Maxi, des crevettes. Des crevettes 340 grammes, le paquet de 20-40. Donc là-dedans, 20-40, tu sais, hein, petit chiffre, c'est les grosses crevettes, gros chiffre, les petites crevettes. Donc, c'est sûr que 20-40, tu as plusieurs variétés, pas variétés, parce que c'est toute la même variété, mais plusieurs grosseurs dans le même sac qui coûte 5,77. Donc, c'est pas cher pour quand même cette qualité de crevette-là que j'aime bien. Donc, c'est chez Maxi que ça se passe. Aussi, ben écoute, hein, de temps en temps, un petit pâté sur un petit beurre, ça vaut 10-12$ là, à 4,98$. Pour un 800 grammes, là, c'est quand même, hein, avec un bon légume, ça peut bien passer. Tu fais un petit potage avant, là, un potage, de, je sais pas, aux carottes ou aux betteraves, ça coûte rien dans cet incite, puis c'est vraiment, ça coûte, et puis c'est délicieux. Là, là on a fait plein aux choux-fleurs, on a fait, écoute, j'en ai fait plein. J'ai fait congeler, puis après ça, t'es peint. Congeler direct dans le petit chaudron, puis on fait tranquillement pendant qu'on fait notre petit souper. Avec, ça fait un souper complet avec des légumes, parce que le potage, c'est juste des légumes, c'est vous qui les avez fait, je sais. Fait que c'est super bon, à peine de sel dedans, donc c'est vraiment super santé. Puis qu'est-ce que je te dis, ça bourre quand même un beau petit potage. Hein. Ça remplit. Fait que quand tu arrives avec ça, comme une petite pointe de pâté au poulet, avec un petit légume, un chou-fleur qui est en spécial cette semaine, une pièce de chou-fleur par exemple, ça te fait des soupers vraiment pas chers, puis plein de légumes, puis avec une petite pointe de pâté, là. C'est sûr que si tu manges juste le pâté, là, c'est plein de sodium, puis c'est bon, c'est pas fantastique, là, comme protéines, ça, c'est sûr, mais quand même, ça peut dépanner. Si tu t'en prends une petite pointe, mais ça fait un job. Fait que c'est ça qui est ça. Écoute, chez Maxi, cette semaine, continuons tout de suite avec Métro. Chez Métro, écoute, il y a des beaux, des belles protéines chez Métro, là, qu'il n'y a pas ailleurs, comme, entre autres, le beefsteak français à 3,99 la livre, ou si tu préfères, 8,80 le kilo, hein, déjà tout coupé. Un beau steak. Faut que tu le fasses trop cuire, là, parce que ça vient raide, ces steaks-là. Mais c'est une belle petite protéine avec une patate pilée, des petites carottes, là. C'est vraiment facile à faire. C'est ça qui est le fun, ces steaks. Un steak, tu prends ça, tu sors ça du frigo. C'est fini. 2 minutes chaque bord. Merci, bonsoir. Si t'as fait un riz dans la fin de semaine, ben là, tu te mets ça dans le micro-ondes avec un riz, ben, préférablement avec une patate ou des carottes, des choses comme ça, des légumes racines dans ce temps-ci, ça coûte rien, ils sont super bons. Ben, avec un steak, ben, ça s'accompagne super bien. Donc, écoute, c'est chez Métro que ça se passe pour le beefsteak français. Aussi, le veau haché mec. Tu vois, ça fait une couple de semaines qu'on ne l'a pas vu. Il vient, comme je te disais, spécial, pas de façon récurrente, mais sporadiquement. Donc, le veau haché mec à 2,99 la livre, ou si tu préfères 6,59 le kilo pour cette qualité-là. C'est super. Tu peux faire tout ce que tu ferais du steak haché, tu peux le faire avec le veau haché. C'est juste un petit goût différent, une couleur différente, mais vraiment, ça fait le travail. Puis, il est mec, donc. Ça a bien du bon sens. Aussi, il y a les côtelettes désossées. Donc, la belle partie du centre, là. 2,49 l'allée, ou si tu préfères, 5,49 le kilo. C'est quand même très bien, mais quand tu sais que pendant 2 jours, chez Maxi, tu as le filet de pâte pour 2$ la livre. Avoir des chops à 2,49 la livre, là, c'est sûr que il est quand même en fait tendreté. Malgré qu'il y ait des côtelettes, ce que j'aime, c'est le goût. Hein. C'est vrai que c'est plus coriace parce que c'est tellement maigre que c'est dur un petit peu, c'est un petit peu plus raide. Surtout si tu ne le fais pas mariner et puis tu le fais trop cuire. Mais ça a un bon goût. T'sais. Tandis que le filet de porc, ça a un bon goût aussi. Moi, je préfère ça, c'est sûr. Mais tu peux y faire des goûts puis c'est seulement tendre. C'est ça qui est un gros avantage. Mais bon, écoute, si tu aimes les côtes, les chops de porc, c'est chez ça se passe chez Métro. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Métro cette semaine. Continuons tout de suite avec Provigo. Écoute, chez Provigo, là, ils ont fait vraiment des package deals que je te dirais. Tu sais, tu as pour 3$ la livre ou 6,61 le kilo, tu peux avoir le rôti d'intérieur de rond, le beefsteak français, le bœuf haché mi-maig, tout ça au même prix à 3$ la livre ou tu peux faire 6,61 le kilo. Fait que franchement, pour tout ce qui est bœuf, tu as même des côtes de flanc à ce prix-là et tout. Donc, ça a quand même du bon sens, vraiment. Là, peut-être que tu vois là une place, puis tu as tout le bœuf que tu veux à bon prix. Fait que c'est super. Aussi, chez Provigo, on a fait la même chose avec le poulet et le porc. Donc, en fait, les
pilon de poulet, les hautes cuisses, puis les poitrines avec la peau puis l'os, mais seulement à 2$ la livre ou si tu préfères 4,41$ le kilo. J'ai déjà vu les pilons puis les hautes cuisses moins chers, mais surtout, j'ai déjà vu beaucoup plus cher aussi, puisqu'on l'a déjà vu à une 49, même à 99 cents la livre pour les pilons puis les hautes cuisses. Pour ce qui est par contre de la poitrine, ça c'est un meilleur prix. Je pense que c'est parce que là c'est juste du blanc puis il y a beaucoup de poulet. Donc normalement c'est plus cher que ça le spécial là. C'est plus dans les 6,59 le kilo. Donc à 4,41 le kilo pour la poitrine avec la peau et tout là. Là ça commence à parler. Là c'est le fun parce que c'est facile de décortiquer ça. Tu mets ça au four là, comme un poulet entier, tout simplement. Hein, dans le fond, là t'en mets plusieurs parce que là c'est plus petit. Fait que là tu peux en mettre 6, 8, tout dépendant de la grosseur. Ou ta grosseur de ta lèche frite aussi, bien sûr. Puis après ça, ben là, ça te fait des bons soupers. Puis tu peux faire là, t'as du poulet blanc, là, du bon blanc toute la semaine après ça. Fait que c'est sûr que c'est fantastique. C'est chez Provigo que ça se passe pour ce qui est du poulet. Tu as même la demi-longe de porc à 2$ la livre, la coupe du centre. Tu as plusieurs, tu as aussi les hautes surlonges, des bouts de côte. Donc, il y a plusieurs variétés, c'est à vérifier. Mais quand même, le prix, lui, il est sûr. C'est 2$ la livre ou tu peux faire 4,41$ le kilo. Même chose que le poulet. Fait que c'est vraiment là, chez Provigo cette semaine. Poulet, porc, bœuf, en gros spécial. Ça a bien du bon sens. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Continuons tout de suite avec Super C. Écoute, chez Super C, le porc haché extra maigre. Hey, ça là, habituellement, tu as le maigre hein, à ce prix-là, mais là, l'extra maigre à 2$ la livre, si tu préfères 4,41$ le kilo. Vraiment, ça a bien du bon sens pour de l'extra maigre. Moi, c'est sûr que je fais avec ça des wontons. Hein, de ma petite recette de wontons, c'est super bon. Mais là, avec de veau, puis le porc extra maigre, comme ça, là, tu peux te faire des boulettes, tu peux te faire des sauces avec ça, des saucisses, plein. Écoute, avec les trois viandes, on peut faire plein de choses avec des épices, là. C'est assez merveilleux. Donc, cette semaine, là, les trois sont en spécial. Donc, profite-en, parce que c'est rare que ça arrive. Vraiment, tu as le veau, le porc haché et le steak haché, là, le bœuf haché, dans la même semaine. Quand même, c'est le fun. Fait qu'on va en profiter cette semaine, c'est sûr. Aussi, écoute, le rôti de palette, comme je t'ai dit, chez IGA, il est en spécial à 3,77, mais chez Super C, 3,44 la livre. Là, on parle. 3,44, là, on parle des meilleurs prix de rôti de palette qu'on a vu hein, cette année. Ou si tu préfères 7,58, donc tu es en bas de 8$ le kilo pour le rôti de palette. Là, puis dans ce temps-ci, comme je t'ai dit, là, c'est sûr. C'est vraiment un plat super réconfortant, facile à faire, que je te conseille à ce prix-là. Passe-toi-en pas. Aussi, cette semaine, chez Super C, t'as le thon. Écoute, des cannes de thon, là, hey, ça, c'est vraiment winner. Parce que, premièrement, ça n'a pas de table de péremption, ça peut durer ça. Là, ça reste bon, c'est dans une canne, c'est comme si c'était le temps avait arrêté. Hein? Puis là, ça coûte 1$. Au lieu de 2$, 1$. Puis là, avec ça, t'as ta protéine, là, c'est fantastique. Tu peux faire autant des petites sauces blanches. Tu peux te faire des pâtés avec ça, des vols au vent. Tu peux faire des salades, c'est sûr, des salades de thon, c'est sûr. Tu peux prendre une canne de ça avec du riz, tu mélanges tout ça avec des petits légumes là-dedans. Puis tu as ta protéine, tu as tes légumes, tu as tout ce qu'il faut. Écoute, avec le thon, tu te trompes pas, ça c'est certain. Fait que n'avoir là, toujours dans la maison, c'est important parce que quand des fois aussi on n'a plus rien ou on ne sait pas quoi faire, puis, ben, tu sors une canne de thon, puis un petit légume, un petit riz, puis on a un souper assez rapide, merci. Puis pas cher, c'est surtout que c'est pas cher, puis c'est nourrissant. Donc écoute, le thon Clover Leaf, bonne marque, donc 1$ la canne, vraiment, ça vaut la peine. T'as aussi à 1$ le chou-fleur, beaucoup de chou-fleur, à 1$, quand même, c'est pas si gros que ça, à 1$, là, c'est vraiment le temps d'en profiter, le chou-fleur, c'est tellement bon. Tu peux faire plein de choses avec du chou-fleur, c'est sûr. Moi, c'est ainsi que je fais, là, c'est que je le prends, puis je le coupe en, tu sais, à peu près ça de large, là, tu sais, de haut en bas, comprends-tu, là, pas dans ce sens-là, mais comme ça, OK? Fait que je me fais comme ça fait comme des belles fleurs, là. Puis là, c'est juste pas trop mince non plus, hein, tu sais, un bon demi-pouce d'épais, puis je le mets sur un papier parchemin dans le four avec du sel, du poivre, puis un filet d'huile là-dessus. Pas plus que ça, direct dans le four. Même, parce que j'aime ça qu'il soit croustillant un petit peu, ce que je fais, c'est que je le mets sans rien. Juste du sel, pour un petit peu sortir l'eau. Mettre ça dans le four. Puis là, il vient plus croustillant. Il vient, tu sais, j'essaie de le faire brunir un petit peu. Fait que je le fais à peu près, pendant 20 minutes à 350-400. Puis après ça, je joue avec le feu là, pour venir le
caraméliser une petite affaire. Puis là, je vais y mettre un petit peu d'huile dessus. Parce que l'huile, ça gobe, ça rentre, dans, puis ça, il vient mou. Moi, j'aime ça aussi, là, puis ça donne un petit goût, tu sais. Mais si tu veux l'avoir croustillant, mets pas d'huile tout de suite. Mais juste vers la fin, tu y mets de l'huile, là, tu le finis comme ça. Tu le sors, là. Ah, c'est bon, là. Si tu veux, tu peux le manger comme ça avec n'importe quoi. C'est sûr, c'est un accompagnateur fantastique, mais tu peux le mettre aussi direct dans le blender. Tu sais, il est caramélisé, là, fait que ça lui donne une couleur à ton petit potage, là. Wow! C'est bon, là, c'est bon, là. Ah, oh, non, j'en ai plein ici, là, j'en ai fait. Parce que cette semaine, je vais en acheter parce que j'aime ça le manger comme ça, en accompagnement, là, avec mes plats, mon poulet, vos affaires comme ça. Fait que, j'en parle, j'en parle. Écoute, ça, c'est le chou-fleur qui est à 1 $ chez Super C. Aussi, 4 piments de couleur pour 2 $, ça vient 50 cents le piment. C'est sûr que ça reste à voir si c'est des petites affaires grosses de même. Mais normalement, c'est un piment, puis moi, c'est un piment. Hein. Il y en a des plus gros, c'est sûr. Mais s'il est juste ordinaire, normal, écoute, à ce prix-là, on s'attend pas que ce soit des jumbo non plus. Donc, tu sais, c'est le fun parce que ça donne 4 piments à 50 cents chaque. Tu peux se calculer un piment, tu peux faire un riz, tu peux faire 4 repas avec 4 piments, dans le fond, si tu voudrais. Hein? Ou tu peux tout simplement faire des piments farcis. Tu as 4 piments, donc 50 cents chaque, puis on les farcit avec la viande, puis toutes les belles viandes cette semaine, puis on se fait des beaux soupers avec ça. C'était carrément, puis ça coûte pas cher. Fait que, écoute, c'est super, c'est que ça se passe. Aussi, ben, les petits fruits, encore les petits fruits bleuets, framboises, mûres. 2 $ le petit paquet de 170 grammes, là, les petits, quand même, dans cet ainsi de l'année. On est chanceux encore d'en avoir. Donc, on va en profiter. Hein? Ça va encore du Québec. Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, mais ça doit, j'imagine. Donc, oh, c'est pas toi qui m'appelles, j'espère. Non, c'était pas toi. Ben non. Fait qu'écoute, c'est ça qui est ça pour chez Super C cette semaine. J'espère que tu vas en profiter au maximum. Puis sur ça, ben écoute, je te souhaite bien sûr une belle journée. Une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.